Santa Gloria. Padre, en esta tarde te quiero presentar tu siervo. Tú ves la simplicidad, Señor, que está hablando, y tú te manifiestas la simplicidad. Señor, prepara la vida a recibir tu buena semilla, tu buena palabra, Padre mío. Trabaja con él como lo has prometido, porque tú estarás con nosotros hasta el final del tiempo, Señor. Manifiéstate grandemente y dale la palabra fácil, Señor. No se la dé igual como la ha predicado ya, Señor, pero darla como quiere dársela a este pueblo. Amén. A este pueblo que está presente delante de ti, Señor. Aleluya. Manifiéstate grandemente, Padre. Dale la unción del Espíritu. Ahora, amén. Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Le puede pedir amén? Amén. Aleluya. Se ve, c'est un verset, je l'ai découpé en plusieurs fois, comme le Seigneur me l'a dit, pour qu'on puisse le comprendre tous. Amen. Le thème de ce message, c'est intercéder les uns pour les autres. Amen. Mais vous allez voir que intercéder les uns pour les autres, il faut des conditions. Il faut des conditions que Dieu met en place, que Dieu a mis en place. Et il faut qu'à travers de ces conditions de la parole du Seigneur, on puisse comprendre ce que lui, il veut, et pour que ta prière puisse être efficace. Amen. Amen. Jacques 5, 16, il dit, confessez donc vos péchés, les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Si s'arrêter uniquement que pour moi, je vais le relire. Confesse donc tes péchés, toi tout seul. Prie pour toi tout seul, afin que tu sois guéri. La prière du juste a une grande efficacité. Mais là, il parle pas individuel. Là, il est en train de nous parler général. C'est-à-dire à tous. Et j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Quand la parole du Seigneur nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres », il est en train de parler de plusieurs personnes. Il est en train de parler d'un peuple. Il est en train de parler au peuple. Confessez. Et quand il dit « Confessez », j'entends la parole unité. Les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. En espagnol, il dit, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Pero solamente que nosotros tenemos que estar calados, como la palabra del Señor nos dice, como la palabra del Señor nos dice, on n'est pas juste, mais nous sommes justifiés par la grâce amen, du Seigneur. Amen. C'est la doctrine du Seigneur. Et la justification, c'est quelque chose de très grand dans la parole du Seigneur. Amen. Mais nous sommes justifiés. Auprès de qui? Auprès de notre Père. J'aimerais te dire quelque chose. J'étais avec mes deux cousins. Il y en a un qui est venu déjà prêcher ici, José. J'étais avec un autre qui s'appelle José aussi, qui c'est mon cousin. On était les trois. On était en train d'évangéliser Châtellerault. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on s'est retrouvés les trois, pris comme ça, les trois têtes se touchaient comme ça. Et d'un coup, il y a une prophétie qui se lève. Et la prophétie disait de cette façon-là. C'est de cette façon-là que je vous veux. C'est bien. C'est de cette façon-là que je vous veux. Il n'y a pas de souci. Et quand il a dit, Théo, le Seigneur, quand il a dit la suite, mes jambes, ils ont fait clac, clac, clac. Comme je suis en train de vous voir maintenant. Comment? Comme je suis en train de vous voir maintenant. Quel est-ce que nous está viendo ahora? Ici, aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous voir. Ici, le Seigneur est en train de voir son peuple réuni. Si nous sommes ici réunis, c'est parce que nous sommes tous unis. C'est parce que nous vivons une réelle fraternité. C'est parce que nous prions les uns pour les autres. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Amen.
Il n'y a pas beaucoup de domaines là. Hein. C'était pas une question piège, je vous l'assure. C'est-à-dire que le Seigneur, il veut que nous prions les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Parce que la prière du juste a une très grande efficacité. C'est-à-dire que je suis dans l'unité de la prière. Amen. Je m'unis dans la prière de mon frère. À la place de lui tourner le dos. À la place de lui faire la tête. À la place d'être fâché. Ça fait 6 mois que je ne lui parle pas. Ça fait 6 mois que je suis fâché. Et je ne veux pas le pardonner. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Que ta prière, c'est zéro. Elle n'est pas écoutée. Ce sont vos péchés, vos transgressions qui cachent la face de Dieu et qui l'empêchent de vous écouter. C'est vrai, Seigneur. Mais si nous devons, pardonne à ce monde. Si tu es du mal, pardonne. Pardonne-moi. De verdad, pardonne-moi. Y para muchos hay que poner otros no, pero te lo suplico, mi hermano, que me lo que me perdones. Eso es la fraternidad, el amor y la unidad de Dios. Es el amor, la fraternidad y la unidad de Dios. ¿Cómo se hace que chacun puisse partir où il veut, faire ce qu'il veut? No, c'est le Seigneur qui fait ce qu'il veut, il punit quand il veut. Mais lui, il veut son troupeau, il veut, il le veut. Unis dans la prière. Et c'est de cette façon-là que la prière du juste a une très grande efficacité. Écoutez, j'étais à l'église de cet homme. Et il y a une femme qui s'est levée, une sœur. Et cette femme, elle vient devant lui et elle faisait comme ça. Elle avait les mains comme ça, elle ne pouvait pas bouger. Elle avait mal, elle avait mal, elle avait une mauvaise articulation des mains et des pieds. Et j'ai commencé à prier. Et je peux le dire de tout mon cœur, et je le dis parce que je suis fier de mon Seigneur. Alléluia. Et je le dis de tout mon cœur, quand je ressens l'approbation de Dieu, quand je ressens l'approbation de Dieu, je prends le micro, je termine de prier pour elle, je prends le micro et je dis, le Seigneur t'a guéri. Amen. Et elle me dit, je mets le micro comme ça, et elle dit oui. Alors montre, qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour toi? Il ne pouvait pas bouger les doigts, elle faisait comme ça. Et les pieds aussi, le Seigneur était les a guéris. Et cette soeur, elle faisait comme ça aussi. Guérie devant son mari. Guérie devant le peuple. Amen. La prière, elle était unie. La prière, elle était dans l'unité. La prière était dans l'amour. La prière, elle était sincère. Il n'y avait pas une incertitude, mais il y avait une certitude. Pas un élan de foi. Il n'y a pas d'élan de foi. J'ai la foi. J'ai prié pour toi, le Seigneur t'a guéri. Amen. Et si tu n'es pas uni avec moi, après c'est la grâce du Seigneur. Mais si tu n'es pas uni avec ton frère, il est important, frère. Regardez, on se prêche avec des masques. Vous ne voyez pas que c'est terminé? C'est terminé. C'est terminé, il n'y a plus rien. C'est terminé, il n'arrive plus à vivre, c'est terminé. Des obligations de partout, on nous force. Et la parole du Seigneur, il lui dit, il mettait des corvées tous les jours sur eux. Des corvées. Et le monde aujourd'hui, ils veulent nous mettre cela. Il s'est trompé. Nous sommes le peuple de Dieu, nous. Nous sommes protégés de Dieu. Nous sommes unis dans la prière. Quand on nous dit, allons à la maison de l'Éternel. Priez. Mais je peux vous dire quelque chose. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de prière dans l'église? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'activité dans l'église? Bon, mais d'accord, on va mettre de la prière. Et là, le Seigneur écrit, allez, on va le faire. On va mettre une activité. Je vois tous ceux qui n'ont rien dit et celui qui l'a demandé l'activité le prend. Il n'est pas là. Vous savez comment ça s'appelle? C'est un manque d'attentif. Je ne suis pas attentif à la voix de l'Esprit. Je ne suis pas attentif à la voix de l'Esprit. Le Seigneur me veut à genoux et je ne lui oublie pas. Vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté pour obéir à la vérité? Qui vous a arrêté pour vous obéir à la vérité? Ce n'est pas celui qui vous influence qui vous appelle.
Celui qui nous appelle, c'est Jésus. Amen. Et celui qui veut te stopper, c'est le diable. Comment? Oui. L'opoukabo. Je le dis en termes cool, je le balance. Il veut t'enlever la prière. C'est vrai. Il veut nous enlever la prière. Oh, c'est pas grave pour aujourd'hui, je vais pas prier. Oh, c'est pas grave. J'ai prié un ticket. À telle heure, je prie pas. Mais je me suis pas réveillé. Il fallait mettre le réveil. Ouais. Il fallait la faire. Oui, mais comment je fais? Oui, non, mais tu t'es pas compromis avec le pasteur. C'était devant Dieu. C'est vrai. Et donc, ça veut dire que tu sors de l'unité de la prière. Tu sors. Tous tes frères, ils l'ont respecté. Toutes tes soeurs, ils l'ont fait. On voit un résultat dans l'église. Et toi, tu te poses après la question. Il dit, mais moi, j'ai pas prié. Mais tous mes frères, ils ont prié. Alors, ma prière, pour cette fois, tu peux pas te dire, c'est pas à cause de ma prière, mais c'est à cause des prières de mes frères. Et c'est l'unité. Et quand le contexte exige que nous prenons ce dernier mot au sens propre, ça veut dire ce que ça veut dire. J'obéis à la parole du Seigneur. Tous les éléments m'obéissent. Tous les éléments, la mer, le vent, le soleil, la pluie, tout, il obéisse. La maladie, il lui dit arrête. Et même la maladie, elle est arrêtée. Il veut le Seigneur ressusciter un mort, il le ressuscite. Pourquoi? Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont unis, ils sont un seul. Quand il y en a un qui parle, c'est les trois. Il n'y a pas trois bouches, il y en a une seule. Il y a un seul Dieu. Mais quand lui il parle, son bras l'accomplit. Amen. Je peux te dire quelque chose. Amen. Yo tengo palabra. Moi, quand je donne ma parole, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, ma parole, elle est là. On n'est que des hommes. Et on peut manquer à notre parole. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Jérémie 12. Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Amen. Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un Dieu de parole. C'est pas un fils d'homme ni pour mentir, ni pour se repentir. Lui, quand il dit quelque chose, c'est du concret, c'est du vrai. Tu peux le dire et te dire dans ton cœur, c'est vrai que tu es là, Seigneur. Et à chaque instant, nous sommes en train de demander pardon. Et pardon. Et pardon, Seigneur, peuple de Dieu. Il est temps de se réveiller. Réveillez les héros. C'est nous les héros. C'est nous le peuple de Dieu. Amen. On ne peut pas passer à travers. La parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Et si nous sommes un enfant de Dieu, ou je le suis, ou je ne le suis pas. C'est vrai, amen. Ou je suis un serviteur, ou je ne le suis pas. Ou je suis un enfant de Dieu, ou non. Personne ne se moque de Dieu. C'est vrai. Personne. Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il voit si dans ton cœur tu es vrai ou pas. Que tout ce qui est pur soit vrai. C'est la parole qui le dit. Que tout ce qui soit honorable soit vrai. Mais que ce soit l'objet de vos pensées. C'est la parole du Seigneur qui le dit. Nous devons. J'aimerais t'expliquer quelque chose. M'engagne que se levante tu joli et me recoge mes problèmes. Mais ça m'étonnerait. Parce que quand c'est donné par l'Esprit Saint, c'est donné par l'Esprit Saint. Il dit de cette façon, Matthieu 9:2, il dit, on lui a amené un paralytique couché sur le lit. Jésus, voyant leur foi, il lui dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez bien, avant tout la foi du paralytique. C'est-à-dire que le paralytique, écoutez bien, un lit comporte quatre coins. ¿Verdad? Si no dormirías muy mal, ¿eh? Si le falta un sitio, dormirías muy mal. Ces quatre coins. Écoutez bien. Cet homme était sur ce lit. Il y avait quatre hommes. C'était une préparation à l'amour.
C'était une préparation à l'amour. L'amour allait se manifester. Cet homme allait se lever de ce lit. Dieu le savait, il avait la certitude qu'il allait le faire. Mais cet homme, quand il le transportait, imaginez-vous, il y avait quatre hommes. Il n'y en avait pas trois, il y en avait quatre. Mais quand ces quatre hommes, ils ont commencé à prendre le chemin pour amener ce paralytique jusqu'à Jésus, il s'est passé quelque chose. Ils étaient les quatre équilibrés. Parce que s'il y en aurait un qui l'aurait lâché un coin, le lit aurait perdu sa stabilité. Et le peuple de Dieu n'a pas le droit de prier. N'a pas le droit de perdre la stabilité de Dieu. Parce que c'est Dieu. Je ne dois pas perdre la stabilité de ma vie spirituelle. Je dois rester dans l'unité. Il ne faut pas marcher, c'est terminé. On marchait comme on voulait avant. Aujourd'hui, Dieu n'a pas le droit. Nous devons marcher contre tout notre cœur. Nous devons marcher avec toute la vérité de Dieu. Être vrai avec mon frère. Il y a quelque chose avec mon frère. Comment tu l'as, Jean-Louis, mais il m'a tu m'as fait ça. S'il te plaît, je te demande pardon parce que je viens de te le demander. Mais s'il te plaît, ne me le refais plus. Ça m'a fait mal. Vous voyez bien? On s'embrasse et le diable, il se muere. Se muere. A ti, Chatelon, se muere dans la rabieta. Se muere. Rabia. Deux frères dans l'église qui ne sont pas unis. Le diable se frotte les mains. Le diable se frotte les mains. Et tu es en train de perdre ta stabilité dans ta vie spirituelle. Quand tu parles avec Dieu, il ne t'écoute pas. Il n'écoute pas. Parce que tu as perdu. Tu t'es désuni et t'es sorti. Parce que quand tu parles par là, tu es sorti du corps de Christ. Tu es sorti. Et j'aimerais te dire quelque chose. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, quand on prend un rocher et quand on prend une masse, et on frappe un bon coup sur la masse. Et s'il y a un morceau qui s'en va, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, ce morceau, c'était un fragment du rocher. Nous sommes des fragments de ce rocher. Nous devons tous être unis. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Le Seigneur, il est en train de me dire, arrête. Arrête, ils ont compris. À la peine de prêcher 44 heures. Qui c'est qui a compris? Qui lève sa main devant l'Éternel? Écoutez, on va faire quelque chose pour le Seigneur. On va faire quelque chose pour le Seigneur. Et on va lui casser les oreilles. Il va rester sourd pour toute sa vie. Le diable. On va se lever. On va se lever. Et on va lui dire à notre prêtre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta bénédiction. Je veux être dans la bénédiction. Je veux être dans l'unité de la prière. Je veux être dans l'unité avec mes frères. Je veux retrouver ma stabilité. Je veux être droit devant toi. Je veux être éteindre devant toi. Je veux...